67 à La Rochelle. C'est extraordinaire. Dimanche soir, le suspense n'a pas duré longtemps. Si en 2004, Jacques Auxiette était devenu le président de la région à la surprise générale, cette fois-ci, avec 56% des voix, il a très rapidement pris la mesure de sa victoire. Il participe au net retour de la gauche, à la tête de 22 des 25 régions françaises. Nous vivons un moment historique, c'est peut-être la dernière fois que vous interpellez, vous interviewez un président de conseil régional, puisqu'en 2014, d'après ce qui est prévu, il n'y en aura plus, il n'y en aurait plus. Alors ce que je peux vous dire, qu'ils auront du mal à continuer l'esprit de la réforme, c'est-à-dire supprimer ces pouvoirs locaux qui ne veulent pas se substituer au pouvoir de l'État, nous respectons l'État, mais qui considèrent que la France ne doit pas être gérée ni de l'Élysée, ni de Matignon, ni de l'EHPAD. Et on a vu ce que ça donnait dans la volonté du président de la République. En Pays de la Loire, l'alliance Parti Socialiste Europe Écologie a fonctionné. Avec 702 000 voix, elle a même augmenté le score de la gauche au premier tour. La clarté et la transparence, même dans cette période où la participation citoyenne est en question, nous montrent que ça peut permettre de construire des dynamiques nouvelles. Et j'espère qu'on construira cette dynamique nouvelle pour l'avenir, pour 2010, mais aussi pour les années qui suivront et notamment pour la présidentielle. Jacques Auxiette réalise un véritable grand chelem. Majoritaire en région, il l'est également dans chacun des 5 départements. Grande surprise, la Vendée bascule. Pour la première fois et à plus de 52%, la gauche l'emporte en Maine-et-Loire. Illustration à Angers qui a voté à plus de 57% pour la liste de Jacques Auxiette. Il y a un mois encore, les Pays de la Loire faisaient partie des grandes ambitions de l'UMP. Avec 43%, Christophe Béchu évite la bérésina de certains ministres en fonction, mais le coup reste dur. Je souhaite évidemment ce soir adresser mes félicitations à Jacques Auxiette qui a gagné cette élection, qui va avoir la responsabilité pendant les 4 ans qui viennent de conduire cette région. Je souhaite aussi vous dire que la vie politique, elle est faite de défaites et de victoires, et que pour accueillir les secondes, il faut être capable d'assumer les premières.